Voilà, donc Christophe, merci de nous avoir accueillis ici hein, Tout plaisir est pour moi. pour l'installation. Hein, c'est un super spot, hein, vraiment bien préparé le terrain et tout. Qu'est-ce qui conduit ta démarche alimentaire un petit peu en ce moment, qui t'a amené à te poser des questions et à revoir. Bon, comme je te l'ai dit, je suis à la recherche d'une autonomie alimentaire. Donc, dans ce cadre, l'aquaponie rentre idéalement dedans, quoi, dans ce concept. Niveau aquaponie, on m'a toujours dit que c'était difficile, je voulais essayer, mais voilà. Donc, ce qui me plaît chez MyFood, c'est de me greffer à une communauté. Donc, voilà, c'est l'élément principal. Puis bon, au téléphone, ça s'était bien passé, tout ça. Le matériel est beau, l'affaire, c'est du beau matériel. Du four, nickel. Et qu'est-ce que tu vas faire pousser là-dedans? Les poissons, les légumes, t'as déjà des idées? Alors, au niveau des poissons, pas vraiment. Faut que je me renseigne encore sur ce que je vais prendre. Au niveau, comme tu vois, on adore les fraises. Il hein, y en a. Ouais, salade, surtout beaucoup de verdure. Un petit peu des tomates. Mais je pense quand même qu'on va refaire des plates-bandes en lasagne. Hein. Ouais. Et donc je pense que je vais pousser les tomates là-dedans. Voilà. Et est-ce que tu penses que l'aquaponie, par le fait d'installer une serre, d'appliquer la permaculture et l'aquaponie, porte un message au-delà de jouer un Oui, peu tes je. parents et puis même au-delà, est-ce que ça apporte quelque chose plus loin que d'un point de vue personnel, quoi? Je pense, je vais pas te sortir des Pierre Rabhi en citation, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche quand même. Je pense qu'à l'heure actuelle, faut pouvoir se nourrir par soi-même. Voilà. Je ne puis faire confiance au système. Excellent. Bah, merci. Voilà, bah, c'est moi qui te remercie. Excellent.